Samedi, les agences sont fermées, c'est un pont. Lundi, c'est les services qui sont fermés, c'est un férié. Donc ça veut dire que le prochain jour où on peut se voir de façon correcte tous ensemble, c'est mardi. Et ce que je vais vous proposer, c'est de revoter la grève jusqu'à mardi. Et mardi, rendez-vous ici, pour faire le point, etc. Mardi, je vous propose, alors on vous tient au courant, bien entendu, s'il y a des appels à réunion, des choses comme ça. Et on vous propose mardi, rendez-vous à partir de 10h. On va essayer de faire une AG peut-être pour 10 heures, peut-être on verra comment on va faire, d'accord? Donc ici, pour 10 heures, pour ceux qui peuvent. Et en général, bon, pour 10h30, le lendemain, la grève c'est demain et puis samedi, donc en principe, les transports devraient à peu près fonctionner. D'accord? Donc je vous propose de mettre aux voix le vote de la reconduction de la grève jusqu'à mardi. Ceux qui sont pour, lèvent la main, s'il vous plaît. Ok, vous baissez vos mains. Maintenant, ceux qui sont contre, lèvent la main, s'il vous plaît. Ok, la reconduction jusqu'à mardi est votée à l'unanimité. Bravo pour votre courage. Bravo. Et quand on obtient, je le répète. On va arrêter l'AG là, on peut discuter encore un petit peu. Je pense que je vais vous lire les demandes de réunion extraordinaire au niveau du CE et du CHSCT. C'est pas la peine de filmer, je pense qu'on peut arrêter l'AG. Je vais juste vous les lire comme ça, pour que vous en preniez connaissance.